L'armée ukrainienne fait un bombardement dans une ville ukrainienne même qui relève Tokmak qui contrôlée par l'armée russe là et bien qui fait une quantité mort et une quantité blessée. Situation en lui-même li mélangé entre Ukraine et la Russie. Et je prends le bon détail côté Ukraine frappé, qui j'en sais, m'espérer ou prend chaise bord ou chita. Gagné 10 drones russes qui détruit par l'armée ukrainienne dans tout. C'est ça, chef état-major, l'armée force ukrainienne nan. Et bien fait qu'on est sur Telegram, que je prends le bon détail tout. Gagné la Russie qui revendiquait yon local, et bien li di li prend nan fin semaine qui passe ya, qui collait avec Adivka, que Ukraine pas parler de ça. Gagné tout service renseignement pays Ukraine qui découvrit, et bien la Russie fait une tentative pour assassiner yon nan responsable yo. N'ayant oblast côté li séparé ak pays la Russie. Pour un chaise bon chita sans trop de détails dans introduction, an, n'ap tout entrer dans développement pour nous quitter informé de ça qui a passé et bien dans international là. Ou connaît non pas M. Bolivar, numéro à disponible pour mon kabay ici pour yo. Et bien les bombardements de l'armée ukrainienne sur la ville sous contrôle russe de Tokmak ont fait 16 morts, selon Levin Balitsky, responsable pour russe de la région de Zaporijia, côté qui gagne centrale nucléaire dans 6 pays Ukraine. Gagné 20 personnes qui blessés tout. Parmi 20, il y a 12 qui blessés graves. C'est ça l'autorité d'affaires qu'on est. Et c'est Ukraine qui t'a lagué une bombe là qui fait une quantité de dégâts. Zaporijia est l'une des 4 régions ukrainiennes partiellement occupées par les forces russes et que Moscou a décidé d'annexer après l'offensive de Moscou en février 2022. Zaporijia, c'est Mosso nan men la Russie, Mosso nan men pays Ukraine. Yon a bataille pour prendre l'autre Mosso qui tient bien nan yon contre l'autre. Dossier ou pas petit, mais c'est qui est-ce qui prend Zaporijia? Eh bien, nan moment m'a parlé avec vous là, la Russie pour qu'on pourrait vous prendre li, mais c'est li yon moun kawè qui tient pour prendre li parce que c'est li qui gen zam pour ça. C'est pas bay a bay jan a bay Ukraine si lou bagay la. Poutine lui-même c'est comme les liens pour l'acheter dans la Chine, Iran, Corée du Nord et d'autres pays, mettez Axal gagné. 10 drones russes détruits par l'armée pays Ukraine, selon sa chef état-major, force armée pays Ukraine déclaré sous Telegram. Eh bien, 10 engins ça y est, c'est Shahed, qui donc fabrication iranienne, eh bien, dans la région Kous. Dans le pays où ici, eh bien, oh, 10 drones russes détruits par l'armée ukrainienne, et puis 10 drones à c'est dans la région où ici, dans Kous, non, peut-être c'est l'autre 10 drones, il n'y a pas les délits encore. Ces 10 engins des types Shahed ont été lancés dans la région de Kous, en Russie, ainsi que 4 missiles guidés anti-aériens S-300 et S-400 du territoire temporairement occupé de la région de Donetsk. Eh bien, après 10 engins Lousayo, parce que Donetsk c'est engins Lous volant l'air, depuis qu'ils tombent sur vous, c'est problème. Gagné 4 missiles tout qui c'est missile S-300 avec missile S-400. Pas oublier, même les missiles là sont missiles anti-aériens. Les 4 maridis pour qu'a fait le tourner missile d'attaque.
Ils ont tous été abattus dans la région de Kharkiv par des unités de missiles anti-aériens de l'armée de l'air et des groupes de tirs mobiles des forces de défense ukrainiennes, d'après l'armée ukrainienne qui ne fait pas mention du sort des missiles S-300 et S-400. Les Ukrainiens parlent de drones, pas de problème s'ils disent que. Ben, tout 10 drones dans des drones, mais des missiles S-400, des missiles S-300, faut que tu aies un détail, c'est qui ça, missile ça va devenir tout. Est-ce que vous abattu avec missile POW, ben avec système anti-drone qui vous gagne parfois qui crase missile tout. En tous les cas, il connaît même des babay détails. Et bien, sous missile, si là, vous pouvez le fouiller, le demander le cause et tout. Même si vous comprenez que missile vous atterri, vous fait des dégâts. L'armée russe la revendique prise yon village près d'Adivka. Dans l'est pays Ukraine, une nouvelle avancée dans le cadre de la poussée qu'elle opère dans la région. Le ministère de la Défense a affirmé dans un communiqué que ses soldats avaient libéré Pervomaïske, au sud-ouest d'Adivka, conquise en février. En février, au point Adivka, nous tous te connaissons, qu'on y a au point Pervomaïske, qui collait avec Adivka. La Russie revendique régulièrement des avancées dans la zone, face à une armée ukrainienne en manque de munitions et qui peine à recruter. Non seulement l'armée ukrainienne n'a pas de munitions, on a se recruté à recruter et au point problème soldat tout bagaille yo pas petit pour pays Ukraine de toute façon. En tous les cas, pour notre qui en bas là, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes Alexandre Siski a de son côté évoqué la situation militaire qui s'est considérablement détériorée sur le front est pour l'Ukraine. Ceci est principalement dû à une intensification significative de l'offensive de l'ennemi après les élections présidentielles en Russie, a-t-il dit. En tous les cas, quel que soit Jean Dil, quel que soit Jean expliqué, la situation est compliquée dans mes mains. Et c'est ou même celle qui connaît qui ça va faire avec ça, nous va connaître qui plomb, qui décision, son rêve et son pensée. Mais situation lui-même li mélanger dans mes garçons et faut ou camper pour vous mettre puisque tout le monde attend le résultat. Si le résultat tout le monde demande, eh bien faut ou bay résultat petit garçon. Gagné Vassil Malio qui est chef service de sécurité ukrainienne SBU, eh bien qui affirmait que Wissio te préparé une tentative d'assassinat contre Alexandre Prokoudine, qui est chef de l'administration militaire de la région de Kherson. Un habitant de Kherson, un scélérat, a été arrêté avec les services secrets ennemis. Il a tenté d'organiser un attentat contre Prokoudine, un nouveau modèle de drone. FPV ennemi a été lancé à une profondeur de 12 km, a précisé Malioub lors de la réunion du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, avant de préciser que CCLIRA a effectué une surveillance visuelle directement sur les lieux et a réglé les faits sur la voiture d'Alexandre Prokoudine. Tout cela a été documenté. Il a été arrêté. Le drone ennemi a été abattu à temps par nos systèmes de guerre électronique. Un petit vagabond lui-même, il est rangé avec monsieur là pour le gâter, bagaille là. Pendant monsieur dans la rencontre là, eh bien monsieur lui-même lui préparé avec ennemi pour éliminer chef administration régionale militaire Alexandre Prokoudine. Nan rencontre la même plusieurs autres monde qui arrivé perdit la vie avec Alexandre Prokoudine.
L'homme est mis dans la foule ou dans la politique, faut prudent parce que en pile fois ou pas contre le monde qui pour vous, et bien parfois contre bon côté. J'hésite qu'on ait Pierre à poil Raïl, il tout dit bien ça, il te connaît Jida à poil livre, il tout mette Jida au courant, mais nous-mêmes nous pas contre le monde qui pour trahir nous, ni le monde qui pour livrer nous. Non pas M. Bolivar, l'amour pour nous pas jamais fini. Merci tout le monde.